Good morgen, Aleiden, Messieurs, aujourd'hui, les Nishmat Chayester, Bat Miriam, ainsi que l'Irfouat, Olivier Israël, Shimon, Ben Chayester, Khamshat Miriam, Bat Roselena, Binyamin, Ben Chabiba. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions le Sechat Shabbat Perikyut, Tet, Mishnah, Gimel, Machitzin et Akatan, Ben Yifne Amila, Ben Lahar Amila, ou Mezalfin Alav Bayad, Avallo, Bakeli, Rabbe Lazar Ben Azari Omer, Machitzin et Akatan, Bayom Ashlishi, Shechaliot, Beshabbat, Shenehemar, Vayhi, Bayom Ashlishi, Biyotam Koavim. Safek Vandroginos en Mechalelin Alav et Ashabbat, mais Rabbi Yehuda Matir Vandroginos. On continue dans notre Mishnah à traiter des lois du Brit Mila, de qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou non pendant le Shabbat pour réaliser le Brit Mila. Avec à présent un nouveau sujet, laver, baigner le petit, le chauffer à l'eau chaude, tout le corps même. C'était une technique de. Ça l'aide à se sentir mieux, c'est sûr, le soulager, et probablement même ça l'aide à le sauver. Pour qu'il soit bien fort pour supporter le Brit Mila avec les techniques d'époque. Aujourd'hui, on ne fait plus ça du tout, ni avant, ni après 3 jours, pour enlever le pansement uniquement, mais en tout cas, la Mishnah me dit comme ça. Marchitzin et Akatan, d'abord j'introduis, les mots de la Mishnah ils sont simples, il y a une certaine anomalie, une double anomalie en fait dans la Mishnah, qui complique la tâche quand on comprend la Mishnah, et du coup, la Gemara, puis les Rishonim parlent longuement sur cette Mishnah. Ce qu'on va faire, c'est que je vais soulever rapidement les questions, les problématiques, on va proposer le pshat du Barthénora, et on va aller, voilà. Machizin et Takatan, on a le droit de laver le petit, le litrachet, c'est-à-dire se laver, prendre une douche, un bain. Ben lifne amila, ben lachar amila, que ce soit avant le Brit Mila, ou que ce soit après le Brit Mila, ou mezalfin alav bayad, et on lui fera couler l'eau avec les mains, avec l'eau bakli, mais pas avec l'ustensile. C'est-à-dire, en fait, la Mishnah me dit, tu sais, quand tu lui donnes le... Alors là déjà, la première anomalie, elle est là. Tu me dis, tu lui donnes un bain. Donc, je donne un bain, ça veut dire, j'en prends une bassine d'eau chaude et je le trempe dedans. Mais après, tu me dis, non, attention. Tu lui donnes le bain, mais tu lui fais couler l'eau sur lui, avec les mains, même pas avec un clic. C'est-à-dire, tu as une double restriction. J'ai pas le droit de le tremper dans la bassine, il faut que je verse sur lui. Mais même quand je verse, j'ai pas le droit d'utiliser un ustensile. C'est-à-dire, je dois avoir une bassine avec de l'eau chaude. Et je verse comme ça avec les mains sur lui, et lui, il n'est pas dans une bassine. Première anomalie dans la Mishnah, d'accord? Je continue. Rabbi Elazar ben Azari Omer. Rabbi Elazar ben Azari nous dit non. Marchitzin et Akatan bayom Ashlishi. Alors on a le droit de laver le petit le troisième jour. Apparemment quoi? Lui donner un bain. Donc le troisième jour, on va permettre. Donc c'est sûr que le premier jour aussi, apparemment. C'est la deuxième un peu anomalie. Comment expliquer la marque on va. Je finis la phrase et puis après on explique tout. Donc, Machisin et Takatan, on a le droit de laver, de donner un vrai bain au petit, c'est discuté. Et le troisième jour, Shechal Yad Beshabbat, même si c'est tombé pendant Shabbat, le Barthénora nous précise sur ça, même bien évidemment, si tu as de l'eau qui était sur la plaque en train de chauffer, mais même si tu n'as pas d'eau chez toi, tu fais chauffer de l'eau, parce que maintenant c'est Pikuach Nefesh, tu as besoin de sauver le petit pour qu'il soit sûr qu'il ne va pas y passer, Chas V'Shalom. Donc maintenant, on a le droit de repousser le Shabbat et de lui faire chauffer de l'eau pendant Shabbat aussi. Shenemar, comme nous dit le verset, le pasouk qui nous raconte à propos de Shrem, quand Shimon et Lévi sont partis tuer Shrem, ils ont choisi le troisième jour où le Brit Mila faisait, le corps était spécialement faible ce jour-là, encore plus que les autres jours. Question d'endurance, ça fait déjà 3 jours qu'ils sont en train de souffrir, et c'est le jour où le corps il perd le plus toute sa force. Et donc du coup, de là déduit Rabbi Lazar ben Azaria que même le troisième jour, tu as le droit de lever le petit. On fait le point des données. Il y a donc problème sur Tanakama, que tu as le droit d'avoir le petit avant et après, mais en lui faisant couler l'eau, on ne sait pas exactement comment, de quoi on parle précisément. Et on a Rabbi Elazar ben Azaria qui te dit que tu as le droit de lui donner le bain. Je propose directement et de quoi il parle Rabbi Elazar ben Azaria. Alors Rabbi Elazar ben Azaria, lui, alors il nous dit le Barthénora, je commence par lui. Sur ce point-là, Rabbi Barthénora nous dit que Rabbi Elazar ben Azaria pense que laver le petit à l'eau chaude, c'est Pikuach Nefesh. C'est question de vie ou de mort. Ça ne veut pas dire que tous les enfants meurent si on ne leur donne pas le bain. Mais même s'il y en a un sur 200, ou même un sur 1000, qui ne tient pas le coup à cause de ça, ça suffit pour qu'on va définir que c'est une action qui sauve une vie, dans l'occurrence pour le Brit Mila, donc on a le droit de le faire, et même de chauffer l'eau pendant le Shabbat. Ça c'est pour le troisième jour. Il en va de même, même pour le premier jour, le Barthénora rajoute même pour avant le Brit Mila, pour que le petit se sente bien. Tout ça, ça fait objet de plein de discussions. Je propose l'objet du Barthénora. Donc en fait, selon Rabbi Elazar ben Azaria, avant le Brit Mila, juste après le Brit Mila, ou pendant, jusqu'au troisième jour, tu le laves dans l'eau chaude. Tu n'as pas prévu de l'eau chaude, tu fais chauffer de l'eau pendant Shabbat. Tanakama, le Barthénora nous a choisi, en fait, une des interprétations de la Gemara, c'est qu'en réalité, il faut lire la Mishnah comme ça. On a le droit d'avoir le petit, mais de quelle manière en lui faisant couler l'eau? Parce que, apparemment, ça manque un peu d'explication. C'est pas précisé assez.
Je comprends comme ça, quand on était sur l'antenne, c'est une sensation de bien-être très nécessaire, mais qui n'est pas à ce point-là vitale pour repousser le Shabbat, franchement. Et de ce fait, on va te demander de faire une certaine, de garder une certaine distance avec le vrai bain à l'eau chaude que tu fais du vélo, pour ne pas que tu mélanges tout. Et du coup, juste, tu débrouilles, tu le fais avec Chinouille, tu fais couler l'eau sur lui. D'accord? Tu fais couler l'eau sur lui. Depuis avant le Brit Mila, après le Brit Mila et même le troisième jour, tout ce qu'on te permet de faire, c'est de lui faire couler de l'eau chaude. C'est pas précisé quel type d'eau. Je comprends qu'on parle de l'eau, puisque c'est plus tellement vital selon Tanakama. Donc j'imagine que tu n'auras pas le droit de faire chauffer l'eau pendant Shabbat. Ça c'est plus précisé, comme ça je l'ai dit. Et je continue la Mishnah avec le deuxième sujet de la Mishnah maintenant. Safek van Droginos. Un Safek, un enfant qu'on a le doute, est-ce qu'il est imposé de Brit Mila, mais plus précisément, parce qu'on a un doute, est-ce qu'il est viable ou non, c'est-à-dire il est né au 8e mois. Alors, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, comment la médecine considère ce cas-là, mais en tout cas, à l'époque, quelqu'un, un bébé qui naissait au 8e mois, il mourrait certainement. On peut naître au 7e mois, on peut naître au 9e mois, mais pas, surtout pas au 8e. Aujourd'hui, avec les couveuses, je ne sais pas comment on résout le problème. Est-ce que ça marche ou pas, mais en tout cas, 8e mois. Maintenant, on a un enfant qu'on ne sait pas est-ce qu'il est né au 8e mois ou au 9e mois. Ça, c'est un safek. Parce que la Brit Mila, sa Brit Mila, lui, dans ce cas-là, elle ne va plus repousser le Shabbat. C'est-à-dire, on a un enfant qui est né, on voit qu'il n'est pas bien fini, il n'est pas assez fort, et on a quand même envie de lui faire le Brit Mila au 8e jour, mais ça tombe Shabbat. La Mishnah me dit, ben, dans le doute, peut-être que tu ne peux, t'as pas besoin, tu n'as pas le droit même, t'as pas le. Peut-être que sa Brit Mila, elle va servir à rien parce que l'enfant n'est pas viable. Dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de transgresser le Shabbat. Faire le Brit Mila, c'est faire sortir du sang. Il y a des problèmes de. Tu transgresses le Shabbat quand on le fait. Si tu n'es plus dans le cadre de la mitzvah. De ce fait, dans le doute, tu ne pourras plus lui faire le Brit Mila. D'accord? Ça, c'est le Safek. Dans le doute, tu ne pourras pas, comme tout Safek, chaque fois qu'on a un doute, est-ce que c'est. On a le droit ou pas le droit. Dans le doute, dans ce code de la Torah, tu ne transgresses pas. Et idem avec aussi l'androgène. L'androgène, c'est celui qui a les deux sexes. Il est à la fois homme et femme. Donc lui, maintenant, il doit faire le Brit Mila, mais il n'a pas la permission de repousser le Shabbat. Et sur ça, Rabbi Yehuda matir bandroginos. Rabbi Yehuda permet à l'androgène de faire le Brit Mila à Shabbat, parce que selon Rabbi Yehuda, la Torah, elle a insisté sur Himolchem kol zachar. Faites le Brit Mila à tous les masques, tous les mâles. Tous les mâles inclus, même. La Torah a insisté en rajoutant ce petit mot pour nous rajouter même un cas qui est un peu pas assez classique. C'est quelqu'un qui a un doux, qui est bi, qui est androgène. Eh bien, tu pourras aussi malgré tout lui faire tu devras lui faire le Brit Mila au 8e jour. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov. Salam.